stay home. Lock our doors and wait for the all clear. Then the power died. No one ever sounded the all clear. Thank you.
Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour la vidéo de conclusion sur State of Decay 2. Alors dans le trailer, excusez-moi, dans le trailer, vous aurez pu voir un petit bout de State of Decay 2 au début, mais c'était la version non remasterisée, et je voulais trouver une vidéo qui vous permette de voir les deux en même temps. Excusez-moi encore. Les deux en même temps, et bon, c'était la seule que j'ai trouvée. Donc, la première version que vous avez vue est State of Decay 2 non remasterisée. Et la deuxième, c'est le State of Decay numéro 1, décidément. Et je voulais à tout prix que vous voyiez les deux pour cette vidéo conclusion. Alors, comme vous avez pu le voir déjà, il y a une amélioration des graphismes au niveau des personnages, etc. Mais enfin, on va en arriver à ce que je tenais à vous dire, c'est est-ce que je préfère le 1? Décidément, je vais m'étouffer. Est-ce que je préfère le 1 ou le 2? Alors, pour être cash dès le début, je préfère le 1. Malgré que les graphismes soient plus primaires, je préfère le numéro 1. Bien que le 2 soit bien aussi, hein. Mais au niveau du gameplay, je préfère le 1. À mon simple avis, hein, personnel, bien sûr, parce que tout simplement dans le 1, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, bien sûr. Je l'ai moins détaillée, j'ai moins fait de vidéos que pour le 2, mais je pourrais le faire parce que vu que j'ai découvert d'autres choses dans le 2 qui s'appliquent au 1 aussi, peut-être que je referai des vidéos sur le 1, je ne sais pas, je verrai. Mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Donc, pourquoi je suis déçue? Parce que dans le 1, sans vous spoil, il y a donc aussi trois modes. Je vous l'avais expliqué, je vais y revenir dessus vite fait. Sur le 1, vous aviez le mode où vous jouez les survivants. Dans le 2, c'est vous qui choisissez un personnage et vous créez vous-même l'histoire. Et dans le 3, vous incarnez l'armée, puisque dans le mode 1, quand vous jouez les survivants, les civils, l'armée ne vous aide pas et vous ne comprenez pas pourquoi. Et dans le mode 3 du numéro 1, vous incarnez l'armée, ce qui vous permet de comprendre pourquoi l'armée ne vous aide pas, etc., etc. Donc, mais ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo concernant State of Decay numéro 1. Et dans le trailer, vous avez pu voir, dans le deuxième trailer qui a suivi, au niveau des graphismes, vous avez dû faire la différence. J'ai la voix qui se casse, c'est horrible. Pardon. Vous avez pu voir la différence et ça vous a permis de voir les différents modes. Vous avez vu les survivants, vous avez vu l'armée, vous avez vu le mode où vous écrivez vous-même l'histoire. Donc ça vous a permis de voir les trois modes. Donc dans le 1, ça se termine d'une certaine façon qui nous laisse croire que dans le 2, on va avoir la suite. Or, pour moi, mis à part peut-être dans le mode Heartland, où on joue Quincy ou la fille des Wilkinson, où il y a des allusions au 1, où on sait que elle, c'est la fille des frères Wilkinson qu'on a dans le 1 et qu'elle essaye de retrouver son père, qui était un des frères Wilkinson, qu'elle n'a jamais connu. Ou alors Quincy qui est à la recherche d'un héros, mais il fait énormément d'allusions à Lily, qui est dans le 1, c'est celle qui nous guide à la radio, qui nous donne les missions, etc., etc. Celle qui est malade dans le 1 et que vous ne pouvez pas jouer, c'est la seule hein, que vous ne pourrez pas jouer dans le 1. C'est tout. C'est tout. Donc je suis restée un petit peu les fesses bien plongées dans mon fauteuil, parce que je me suis dit, mince, j'en attendais beaucoup plus au niveau de la suite. Voilà. Donc on part on quitte un jeu, le 1, on le quitte sur quelque chose où il y a effectivement une ouverture sur le monde, parce qu'ils étaient enfermés, hein, comme vous l'êtes dans le 2, ils étaient enfermés, il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir. C'est ce qui limite vos maps. En fait, vous arrivez à des portails et vous ne pouvez pas aller plus loin, il faut faire demi-tour. Donc c'est pareil dans le 1. Et quand ils arrivent enfin à ouvrir cette porte, ça ouvre sur un monde où ils s'aperçoivent que c'est pas simplement leur secteur qui est contaminé, mais le monde complet. Et vous vous attendez
à savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va être la suite? On s'attend à retrouver Lini, on s'attend à retrouver les personnages principaux du 1, mais pas du tout, du tout, du tout. Dans Campagne, c'est des nouveaux persos. Je vous dis, il n'y a que dans Heartland où c'est un rapport dans le 1, et ça, j'ai été vraiment déçue. Parce que quand je vous ai quitté lors de la vidéo de State of Decay 1, je vous ai dit, hein, j'étais en live, vous m'avez posé des questions, hein, je vous ai dit, mais il me tarde, il sort demain, nanani, j'y saute dessus, patati patata. Eh ben non, ben, je suis très déçue de ce côté-là, du moins que ça ne se suive pas avec le 1. Voilà. Ensuite, autre chose, le problème est qu'ils ont énormément corsé la difficulté, surtout quand on joue en solo dans State of Decay 2. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont mis en place le mode d'entraide, puisque comme je n'arrête pas de le dire, et malgré que je sois allée voir sur d'autres chaînes de personnes qui étaient en live sur le jeu sur YouTube, les questions se posaient dans le chat, mais le YouTubeur ou la YouTubeuse ne répondait pas aux questions. Donc, j'y répondais moi sur le chat. Les gens me remerciaient de répondre. Donc voilà, ça c'est un petit message. C'est pas toujours évident quand on a du monde dans le chat de toujours répondre parce que ça va très vite, ça défile. Mais à ce moment-là, il y a des modérateurs qui sont là pour pouvoir répondre aux questions. Et là, la personne ne répondait pas. Non, ce n'est pas un jeu coop. Non, ce n'est pas un jeu multi. C'est un jeu d'entraide. Mais pour ça, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo que j'ai faite dans la playlist de State of Decay 2. Et je vous explique pourquoi c'est de l'entraide et non pas du multi. De la coop. Donc je ne sais pas s'ils ont de ce fait en ayant mis ce mode d'entraide trop corsé la difficulté en se disant ils vont jouer ensemble. Non, puisqu'on peut aussi jouer en solo, mais on est très très vite débordé par le manque de ressources, les infestations. Ils ont rajouté, comme je vous l'avais dit, les cœurs de peste, on est envahi, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une map remplie de zombies. Vous pouvez pas faire 100 mètres sans vous retrouver avec des hordes. Et le problème, c'est que si vous êtes à pied, vous êtes toujours accroupi en mode furtif pour pouvoir passer, donc ça n'avance pas. En attendant, à la base, ça grogne. Enfin, on est très vite débordé. Malgré ce système, comme je vous ai montré aussi dans la deuxième vidéo, d'appel à l'aide si vous êtes en solo, vous êtes très vite débordé et c'est rattrapable. Hein. Voilà. Il y a une solution aussi, si vous êtes en solo, vous partez en exploration, vous vous retrouvez avec des hordes, vous n'en sortez pas, votre personnage, vous savez que s'il meurt, il ne réapparaît pas. Et si c'est un perso qui est important dans votre base, vous allez avoir ce qu'on appelle les boules, pour être. Il n'y a pas d'autre mot. Ben à ce moment-là, il y a une solution qui a été donnée, c'est vous quitter la partie. Je sais pas, vous partez avec deux personnages, je vous donne un exemple, vous partez avec deux personnages faire un cœur de peste. Et ça ne se passe pas comme vous l'avez voulu. Vous voyez que vous allez perdre vos deux personnages et vous y tenez parce que c'est des personnages importants comme, je sais pas, le médecin, comme voilà. Et vous êtes, si vous l'avez plus, ben, vous ne pourrez plus utiliser l'infirmerie comme vous voulez l'utiliser. Il faudra en recruter un autre, etc., etc. La seule solution que vous avez, c'est de quitter la partie. En fait, échappe, quitter la partie. Et vous relancez votre jeu et vous allez vous retrouver au même endroit sans les zombies. Bon, vos personnages seront effectivement blessés. Vous aurez le temps de les soigner et vous aurez le temps de partir. Voilà, c'est la seule solution qui a été donnée pour pouvoir échapper comme ça à une situation où vous risquez perdre vos personnages et que vous ne retrouverez pas. Donc ce problème de cœur de peste ajouté aux infestations font que la map elle est très 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 vite envahie de zombies. Heureusement que les devs ont mis le système aussi dans l'onglet que je vous avais montré où il y a l'aide. Il y a une possibilité aussi de demander l'ouverture des territoires. Et ça sert à quoi? Ça sert simplement quand vous voyez que votre map est vraiment trop envahie, que vous n'en sortirez pas. En fait, vous faites cette demande-là, vous appuyez sur la touche et vous aurez sur votre map des portes, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe. Et avec une voiture et un allié, admettons, un ami joueur ou un de vos personnages, vous prenez une voiture, vous franchissez la porte.
Et vous allez tomber sur une autre map aléatoire, une des quatre maps présentes dans le jeu, et vous allez chercher une nouvelle base. À partir du moment où vous l'aurez trouvée, c'est facile, je vous l'ai dit, les maps, elles sont représentées par des espèces de petits châteaux. Vous les visitez, vous faites attention parce que bon, il y aura des zombies quand même sur la nouvelle map, elle n'est pas vierge, sans zombies, sans rien du tout. Vous allez visiter, et à ce moment-là, quand vous avez trouvé votre base, vous prenez possession de la base après l'avoir nettoyée comme d'habitude, des zombies présents, et à ce moment-là, votre partie qui était quasiment foutue, ben non, elle l'est pas. Donc n'abandonnez pas, vous dites pas, bon, c'est bon, je suis foutue, là, y a plus rien qui va, changez de map. Tout simplement, changez de map et vous allez avoir votre base. Comme quand vous déménagez de base, elle va vous prenez possession de cette base et tous vos personnages vont se retrouver là avec les véhicules qui sont garés sur les places de parking. Ça aussi, pensez-y. Garez vos véhicules sur les places de parking pour pouvoir les réparer déjà et d'un. Les améliorer de deux. Et si vous déménagez votre base, les véhicules qui vont vous suivre ne sont que ceux qui sont garés sur les places de parking. Et je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 véhicules maximum qui vous suivront. Si vous avez 6 véhicules, choisissez bien de mettre sur les places de parking les véhicules qui vous sont importants, que vous avez améliorés, par exemple. Et là, tout suivra. Vous devrez ben, réparer comme d'habitude, mais vous repartez sur une map saine et non pas envahie. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est une des choses que je trouve dommage, c'est que voilà, c'est tellement corsé, ils ont tellement rajouté de choses qu'en solo, voilà, c'était déjà chaud, mais là, c'est chaud, 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 chaud. Ce que je regrette aussi, c'est les avant-postes qui ne protègent plus la base comme dans le premier. Ils servent à donner par jour, comme je vous avais expliqué, quelques ressources. Dans le 1, comme je vous l'avais montré, c'était des bombes sur pattes. Vous preniez un avant-poste, vous nettoyez, vous aviez nettoyé les zombies qui étaient là, et on vous demande si vous voulez en prendre possession. Il fallait réfléchir, puisque c'est un jeu aussi de stratégie, de logique. On vous demande, selon où vous mettiez l'emplacement de l'avant-poste, ça faisait un gros rond blanc autour et ça protégeait tout ce qui était dans le rond blanc. Donc c'était à vous, avec votre stratégie et votre logique, de choisir où vous mettiez vos avant-postes pour éviter que les zombies attaquent votre base. Donc quand ils passaient devant ces avant-postes dans le 1, ben, tout simplement, si vous aviez enclenché via le petit carnet, que je regrette aussi parce que leur nouveau système là, de map en haut, communauté, base, etc. Hop là, c'est compliqué, surtout quand on est en voiture et si vous êtes comme moi, pas très doué niveau GPS pour vous repérer. Ben, par moment, il faut vite zapper sur la map. Le temps que vous regardiez sur la map où c'est que vous êtes, quelle route vous devez prendre, pof, vous avez des zombies sur la voiture. Donc, je regrette vraiment que les avant-postes se soient transformés, non pas en bombe sur pattes, ce qui est pour moi beaucoup plus logique puisque c'est un avant-poste. Mais là, les avant-postes dans le 2, comme je vous l'ai dit, c'est des ressources qui vous sont apportées selon l'avant-poste que c'est. Et effectivement, c'est un point save pour les personnages parce qu'il y a dedans, comme je vous l'avais dit aussi, l'inventaire de la base, et puis vous pouvez changer de perso aussi depuis cet avant-poste si le vôtre est fatigué, changer d'arme, vous reprendre des munitions si vous n'en avez plus, etc. Mais ça ne protège pas votre base. Et le peu que ça apporte, mis à part les avant-postes d'électricité et d'eau qui eux sont importants, les autres, je ne trouve pas que ça vous donne énormément de ressources, hein, 2-3 sachets de bouffe par jour si vous prenez un avant-poste de nourriture, 2-3 médocs, ça va pas vous empêcher d'être en manque, bien souvent c'est le cas. Voilà, ça je le regrette énormément, le système du 1, de ces avant-postes qui étaient des bombes sur pattes. Alors j'en ai discuté un petit peu avec un des responsables du Discord français consacré à State of Decay 2. Donc je vous invite sur Discord à les rejoindre. Je vous mettrai le lien, il faut que je le contacte pour qu'il me donne le lien, que je le mette sous la vidéo. C'est une communauté qui est très soudée, très sympa. Et si vous avez besoin d'aide ou des questions, non seulement ils vont venir vous aider dans le jeu et vous expliquer si vous ne comprenez pas certaines choses, mais aussi sur le Discord, ils sont là, ils vous répondent, ils sont vraiment très très sympas. Et très à l'écoute des nouveaux venus dans State of Decay 2. Je vous ferai passer le lien de leur Discord dans les jours qui suivent sous la vidéo. Je le rajouterai, donc restez à l'affût.
Autre chose que je voulais dire, c'est le système qu'ils ont rajouté aussi de devoir réparer non-stop les véhicules. Dans le 1, on fracassait les infestations puisqu'il n'y avait pas de cœur de peste. Avec les véhicules, on donnait un coup de klaxon, les zombies sortaient, les hordes, on fonçait dans les hordes avec les voitures. Dans le 2, c'est pas le cas parce que la voiture s'abîme, donc faut la réparer, faut des kits de réparation. Pour ça, faut avoir un mécano dans notre base, faut avoir un atelier ou un garage. Et ben, faut avoir aussi les matériaux, parce que si vous n'avez pas les matériaux, vous ne pouvez pas faire les kits. Si votre voiture, vous vous amusez à rentrer dans les zombies constamment, elle prend des dégâts jusqu'au moment où elle fume. Et quand elle fume, si vous êtes à l'opposé d'un avant-poste ou à l'opposé de votre base et que vous continuez à rouler comme ça, elle va exploser. Alors certes, elle est réparable, mais pour ça, il faut des kits de réparation. Donc ça implique que vous rejoignez, imaginez que vous êtes à l'opposé de votre base ou d'un avant-poste, donc vous allez rejoindre le plus près, à moins que vous ayez de la chance en loot, parce que ça se trouve aussi en loot, les kits de réparation. Donc à moins que vous ayez de la chance et que vous en lootiez, va falloir retourner le plus vite possible à un avant-poste. Vous pourrez depuis l'avant-poste aller dans votre base, créer un kit de réparation à condition d'avoir des matériaux, du stock de matériel, et prendre le kit de réparation, aller réparer votre voiture. Tout ça, ça prend de la place dans l'inventaire. L'essence, il faut amener un bidon d'essence pour ne pas tomber en panne d'essence. Hein, voilà. Il n'y a pas toujours des stations dans toutes les villes, quelle que soit la map. Ou à l'endroit où vous allez être, il n'y aura peut-être pas de station. Vous allez tomber en panne d'essence, c'est pareil, quoi, c'est le bazar. Donc, ça implique que vous ameniez sur vous non seulement l'essence, mais aussi les kits de réparation pour le véhicule, que vous ameniez aussi l'antidote contre la peste rouge, parce que ça aussi, ils ont mis la peste rouge en place. Le problème, c'est que les zombies, à moins que vous les attaquiez en mode furtif, en étant accroupi, en vous mettant dans le dos et avec la manette, si vous jouez à la manette en appuyant sur Y, là, vous ne prendrez pas de dégâts. Mais quand vous allez faire un cœur de peste et qu'il y en a une vingtaine qui vont sortir et que ils vont simplement vous toucher sans vous mordre, hein, automatiquement, vous allez avoir la peste. Alors, première étape, vous allez avoir une ligne avec un thermomètre qui va monter jusqu'à la blessure. Et de la blessure, vous allez avoir une tête de mort rouge. Vous aurez, avec un temps, et vous aurez 2 heures pour revenir à votre base ou un avant-poste et vous faire l'antidote. Et vous l'injectez, sinon c'est la mort de votre personnage. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont rajoutées. Alors peut-être que c'est parce qu'ils misent sur l'entraide. Mais voilà, on ne joue pas tous avec des amis. On ne joue pas tous. Voilà, après le système d'appel à l'aide, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, on ne sait jamais sur qui on tombe. Il y a beaucoup plus de semeurs de troubles, hélas, que de joueurs corrects avec ce système-là. Mais bon, en tout cas, ça fait beaucoup de choses dans l'inventaire. Le sac le plus gros est de 8, 8 emplacements. Dans ces 8 emplacements, il y en a déjà un qui est pris par l'arme blanche. Le deuxième emplacement est pris par l'arme de corps à corps. Le troisième est pris par votre fusil ou votre arme à distance. Ensuite, vous rajoutez les munitions. Sachant que si vous partez pour un cœur de peste, vous pouvez compter 30 balles et prenez sur vous 60, hein, c'est le mieux, parce qu'entre les mastodontes, les sauvages et tout que vous allez croiser en chemin, vous allez en utiliser des munitions. Donc vous allez partir, donc ça prend déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Vous allez prendre sur vous, même le plus léger possible, c'est ça. Hein, vous allez prendre sur vous du soin, mettons 3 soins, ça prend un emplacement. Et vous allez prendre des snacks pour vous redonner de l'endurance ou un café ou des espèces de canettes. Il ne reste plus beaucoup de place dans le sac. Alors vous me direz, oui, on peut le mettre dans la voiture, mais les coffres des voitures n'ont pas un emplacement énorme. Si vous partez en exploration pour amener du matériel, le but est de mettre dans le coffre le maximum de sacs de matériel dont vous avez besoin, dont vous manquez à votre base. Donc tout ça... Voilà, ça, c'est des problèmes qu'on rencontre en joueur solo. Il est tout à fait jouable en solo, mais c'est la galère. C'est la galère. Hein.
Donc, ce système de devoir non-stop réparer les véhicules, voilà, pour moi, c'est pas génial. Après, j'en ai parlé avec ceux qui ont créé effectivement le site Discord consacré à State of Decay. Pour eux, c'est normal, puisque pour les avant-postes, la réponse a été si, ça peut être des bombes, il suffit de placer des bombes devant. Oui, mais enfin, une fois qu'elle a pété, la bombe, il faut en remettre, il faut en refaire. Ça, tu utilises du matériel. Voilà, donc, tandis qu'avant, c'était. Une fois que vous aviez l'avant-poste, c'était l'avant-poste terminé. Ça protégeait votre base, on n'en parlait plus. Et puis quand voilà, c'était, vous deviez déménager, ben vous faisiez pareil avec les autres avant-postes. Donc non, ça c'est pour moi des points négatifs. La mise en place de la peste sanglante, des cœurs de peste en plus des infestations est difficile à gérer en solo, ça c'est clair. De plus, les zombies pestiférés sont nombreux. Et comme je vous dis, dès qu'ils vous touchent, en combat, vous déclenchez automatiquement cette peste, ce qui demande non-stop à ce que vous fassiez des sérums pour vous soigner, pour éviter que votre perso meure. Que vous n'oubliez pas, quand vous tuez des zombies pestiférés, de ramasser les échantillons de peste au sol, parce que sans ces échantillons, vous ne pouvez pas faire le sérum. Pour faire un sérum, il faut 6 échantillons. Ça fait beaucoup à prendre sur soi avant de partir pour de si petits inventaires. Tout cela complique énormément le jeu et la gestion de la base, sans compter qu'il n'est plus possible, comme dans le 1, de gérer la crise des personnages qui sont à la base en les amenant comme c'était dans le 1. Il y en avait un qui piquait une crise, on l'amenait, on le prenait avec nous et on lui disait, allez, viens, et on allait tuer des zombies. Pendant ce temps, il vous racontait sa vie, etc. On le ramenait à la base, c'était réglé. Là, non, ils ont des crises bien personnelles, c'est-à-dire quand vous allez dans communauté, vous verrez vos persos quand ils ont des points d'exclamation orange, c'est qu'ils ont des missions. Voilà, des envies, des missions à faire. Ou alors, vous le verrez dans votre base. Quand vous voyez les personnages, par moment, il y en a, vous verrez des petits carrés noirs avec des points d'exclamation et d'autres petits points noirs avec des espèces de loupes. C'est que ces personnes-là ont des missions ou des envies. Voilà. Donc, le problème, il est que si vous ne faites pas cela, ça va déclencher des bagarres dans votre base, une mauvaise ambiance, etc. Donc, ça aussi, ça complique. Parce que bon, ben, c'est quand même pas n'importe quoi l'émission. Là, la dernière que j'ai eue, ça m'a fait sourire. Il y en a un qui n'arrête pas dans ma base de piquer des crises parce qu'il veut un tourne-disque. Bah, me demandez pas pourquoi, il veut un tourne-disque. Je ne pense pas que ce soit prioritaire par rapport à ce que j'ai besoin actuellement dans ma base. Mais voilà, mais monsieur n'arrête pas de déclencher les bagarres. Donc, il va falloir que je m'occupe de lui pour lui trouver son tourne-disque. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Surtout qu'on est neuf. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour la nourriture, c'est compliqué. Sans compter que quand il pique des crises, vous êtes en exploration, puis d'un seul coup, vous aurez. Au fait, je suis désolée, j'allais pas bien, donc j'ai mangé allez, 5 snacks. Ah ben j'étais pas bien, je suis allée faire un tour en voiture, donc j'ai utilisé de l'essence. Bon, ok. Et en attendant, le stock, il est comment? Voilà. Donc, vous arrêtez pas. Et c'est voilà, ils ont beaucoup trop compliqué le jeu, je trouve, à mon goût. Ou alors, fallait mettre que le système d'entraide. Et à ce moment-là, le basculer quasiment en multi. Et simplement multi. Ça, c'est mon avis personnel. Et propre. Vous ajoutez à tout ça aussi les missions prioritaires et secondaires, les enclaves et les survivants isolés, le troc, les hordes, et très vite on est submergé, très 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 vite, beaucoup plus que dans le 1. Le 1, on y prend plaisir parce qu'on souffle. On souffle. Là, on souffle pas. Hein. Là, on souffle pas. On se demande même par moment si on va pas abandonner quoi, parce que c'est tellement. Ça va dans tous les sens. Vous avez les survivants en enclave, c'est plusieurs survivants, les survivants isolés, les missions. Voilà, il y a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop de choses à faire. Et de ce fait, on néglige les cœurs de peste, on néglige les infestations, puisqu'on n'arrête pas de courir partout. Pour ça, regardez les autres vidéos et pourquoi faut vraiment prendre soin aussi de ses voisins. Donc voilà, faut aller aux demandes des voisins, s'occuper de notre base, gérer les crises, gérer les infestations. On a plutôt et après on est submergé. On est submergé. Donc c'est un petit peu dommage tout ça. Ça fait beaucoup, mais c'est ainsi. Hein. Les développeurs ont voulu ça, mais je pense qu'ils auraient dû alors à ce moment-là faire un jeu multi et non pas un jeu d'entraide ou possible en solo, parce que.
On galère. On y arrive, mais on galère. Mais il faut recommencer plusieurs parties, hein, je vous le dis. Avant de bien, bien, bien arriver. Mais bon, il est plaisant. Je ne dis pas le contraire. Ça reste un très bon jeu, avec de bons graphismes, de bons scénarios pour Heartland. Mais comme je vous le dis, moins prenant que le 1 à mon humble avis, sans plus qu'ils ont rajouté aussi le système des métiers, des compétences, etc., etc. Et c'est beaucoup plus compliqué que dans le 1. Donc, je reste sur mon idée, je lui laisse sa chance. Hein. Je vous dis, c'est un bon jeu quand même. Je m'amuse beaucoup dessus aussi, bien que je rage beaucoup aussi dessus. J'ai pas encore fini de tout explorer. Pour le 1, j'avais mis un petit peu plus d'un mois. Là, ça fait pas un mois que je suis sur State of Decay. Et comme vous le savez, je ne fais pas que State of Decay. Hein. J'ai d'autres, je fais beaucoup d'autres jeux aussi. Vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc pour conclure, State of Decay 1, State of Decay 2, pour vous, c'est quoi? Lequel vous préférez? Si vous avez joué aux deux jeux, bien entendu. Moi, personnellement, pour l'instant, peut-être que je changerai d'avis. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour le moment, mon avis personnel, malgré que ce soit un bon jeu, que les graphismes soient plaisants, je reste sur le 1. Il y a aussi la musique qui joue. La musique du 1 est beaucoup plus prenante. Elle vous met dans l'ambiance... C'est vraiment plaisant de jouer au 1. Le 2, c'est moins, je suis moins prise dans le jeu que dans le 1. Dans le 1, je me suis vu y passer des nuits complètes sans m'en rendre compte. Celui-là, je vois bien. Voilà, donc voilà. À vous maintenant de me donner votre avis. En tout cas, j'espère que ces vidéos et cette playlist sur State of Decay 2 vous aura aidé. Je n'en dis pas plus, j'attends vos retours, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, vos commentaires, vos astuces, peut-être que vous en avez vous aussi, voilà, et puis je vous ferai passer le lien du Discord officiel de State of Decay 2, et puis qu'est-ce que je peux vous dire, bon jeu à vous. Bon courage, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, même si je ne suis pas sur State of Decay, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions ou autres, ou voilà, mais si vous avez envie de vous découvrir State of Decay 2 et vous avez envie de jouer avec quelqu'un, si je suis disponible, c'est avec plaisir que je viendrai jouer avec vous, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, et je vous dis à très vite. Pour un prochain live. Bye bye.